عيني في البلد لسه فين وفين دنيا تانية حلوة بتنادي بصوا شوفوا مصر عاملة ايه C'était donc une couverture tout à fait spéciale concernant les activités de l'inauguration de Al-Mansoura, Agadir al-Nawal, la ville de Al-Mansoura, qui se trouve au sein de Delta du Nil. En fait, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a déclaré que l'État accordait une très grande importance à l'installation des stations d'adoucissement d'eau dans les nouvelles villes pour faire face à la croissance démographique. Monsieur le Président souligne qu'il fallait sensibiliser le peuple contre les dangers de la croissance démographique avant d'accuser l'État. Toujours dans le cadre de l'inauguration de cette nouvelle ville d'Al-Mansoura, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a appelé toutes les institutions, surtout religieuses, à sensibiliser les gens contre ces dangers. Le chef de l'État a indiqué que l'État égyptien ne pourrait pas résoudre le problème de la croissance démographique si elle se poursuivait à ce rythme. Il a également ajouté que l'État a déployé ses ultimes efforts en vue de préserver ses ressources pour faire face à la croissance démographique. Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sissi a d'autre part fait cette déclaration, encore une fois, en inaugurant aujourd'hui matin la première phase de la nouvelle ville de Al-Mansoura, dont la construction avait été lancée par un décret présidentiel en 2018. Et Monsieur le Président a remis lors de cette cérémonie des contrats de possession de logements à un nombre de citoyens. Et Sissi a aussi honoré les figures du gouvernorat de Mansoura. Le chef de l'État a inauguré un nombre de projets dans la ville, notamment l'université de Mansoura, ville d'Al-Mansoura plutôt. Monsieur le Président a également passé en revue le village d'Al-Hissas à Sherbin, un des villages qui s'inscrivent dans le cadre de l'initiative Vie décente. Pour avoir plus d'analyse, pour avoir une lecture un peu approfondie concernant cet événement, nous avons actuellement l'unité de l'Alte International, le docteur Nadim Samna. C'est un expert politique et économique. Bonjour et bienvenue sur l'Alte International. Bonjour. Permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous avez, bien sûr, observé les différentes dimensions de l'inauguration de cette nouvelle cité ou cette nouvelle ville d'Al-Mansoura et ses impacts ou les impacts de cette inauguration sur le dynamisme de l'économie égyptienne? On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sortent, on va dire, qui s'adressent aux habitants en dehors des villes, enfin des grandes villes traditionnelles, le Caire ou Alexandrie. Mansoura, c'est en plein delta, c'est une population assez dense, donc ils ont besoin de beaucoup d'offres d'emploi et le fait d'orienter des investissements vers Mansoura ou d'autres villes moyennes en Égypte, ça sert bien sûr à ancrer la population dans ces zones, on va dire, en dehors du Caire et d'Alexandrie et ça permet de développer toutes ces régions. Oui. Autre chose, durant cet événement de l'inauguration de la nouvelle ville d'Al-Mansoura, il y avait des initiatives comme EBDA concernant comment l'État égyptien intervient
pour faciliter les procédures concernant les investissements, mais aussi concernant comment nous pouvons arriver à avoir une sorte des importations bien dopées au lieu d'avoir des exportations plutôt bien dopées au lieu d'avoir des importations des produits industriels. Donc, comment vous avez vu cette dimension durant l'inauguration de la nouvelle ville d'Al-Mansoura? Il est vrai que l'Égypte importe beaucoup de produits qui sont, on va dire, simples, hein, qui ne demandent pas de processus industriel très développé, très sophistiqué, qui peuvent être développés en Égypte. Et toute cette la stratégie de l'initiative EBDA ou commence, c'est commencer à produire localement des produits qu'on importe actuellement, qui ne nécessitent pas un savoir-faire très important, qui ne nécessitent pas forcément des compétences très sophistiquées, très pointues, mais qui, à la longue, là, en développant cette initiative, va permettre d'économiser de la devise, d'améliorer la balance commerciale de l'Égypte et de créer des offres d'emploi en local très importantes. Et ouais. Le fait de commencer dans le détail, c'est parce que dans le détail, il y a beaucoup de matières premières qui peuvent rentrer dans, on va dire, toute cette industrie de transformation, des industries intermédiaires, proches des terres agricoles, proches des populations qui fournissent la main d'œuvre. Donc c'est pour ça qu'on a voulu installer cette, en tout cas créer cette nouvelle ville industrielle. Ouais. Dans le delta. Ouais. À quel point vous trouvez que c'est tout à fait nécessaire pour l'État égyptien de faire une sorte d'expansion dans les nouvelles villes, notamment de quatrième génération, comme on dit, pour assimiler la croissance démographique et pour, bien sûr, empêcher tout empiètement de terres agricoles? C'est comme vous l'avez dit, l'Égypte connaît une croissance démographique très importante, donc il faut développer de nouvelles villes. Et de toute façon, l'Égypte était sur la voie de développement de nouvelles villes depuis une trentaine d'années environ. Dernièrement, ça a pris une dimension plus importante parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait vraiment plus le choix de... il faut vraiment développer ces nouvelles villes. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a 28 nouvelles villes en cours de construction, en cours de développement. Donc, quasiment tous les gouvernorats possèdent leur propre nouvelle ville. Et ces nouvelles villes sont construites avec une dimension nouvelle, moderne, connectée, technologique, pour vraiment étudier ces nouvelles villes, pour à la fois lier les bassins d'emploi, c'est-à-dire des usines ou des entreprises, avec les bassins d'habitation qui vont fournir de la main d'œuvre où les ouvriers ou les travailleurs vont habiter. Ouais. Et toujours en évitant de construire sur des terres agricoles, comme on dit, et maintenir ou préserver les terres agricoles égyptiennes. Oui. À côté de la localisation de l'industrie, on trouve que le président de l'État égyptien en général s'intéresse de plus en plus à former bien la main-d'œuvre égyptienne. Et ça, c'est ce qu'on a quand même assisté pendant les activités de l'inauguration de la nouvelle ville de Mansoura. Donc, comment vous avez vu l'importance de ça, la localisation de l'industrie, mais aussi une bonne formation à la main-d'œuvre égyptienne? Bien sûr, là, il y a en parallèle avec le développement de nouvelles villes et de nouvelles industries, il y a un développement sans précédent des universités ou de l'enseignement supérieur en Égypte. Ouais. Pour toujours former des travailleurs ou des cadres qui vont développer ces industries, qui vont être mobilisés pour développer toutes ces industries. C'est très important. Ouais. Et je vous dis, là, c'est... Le talent, c'est une des premières questions que se posent les investisseurs à chaque fois qu'ils
ils étudient une nouvelle installation, une nouvelle localisation. Ouais. Est-ce qu'il y a des réserves de talents, on va dire, à proximité? Ouais. Ouais. Docteur Nadim Sam, je dois vous remercier infiniment, notre expert dans le domaine politique et économique. Merci beaucoup pour de telles lectures concernant différentes dimensions de l'immigration de la nouvelle ville, de la nouvelle cité d'Al-Mansoura qui se trouve au delta du Nil. Donc avec ça, nous arrivons à la fin de cette couverture tout à fait rapide, mais aussi spéciale à cet événement. Merci et nous devons bien sûr céder notre place à notre collègue dans les émissions anglaises.